Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui il est question pour nous de vous présenter 9 gros hacks que nous utilisons chez Growth Business pour acquérir du trafic de façon gratuite sur la plateforme YouTube. Donc à noter, si vous avez un business en ligne ou vous souhaitez vous lancer dans le business en ligne, vous devez comprendre que le trafic en ligne, c'est vraiment la guerre des nerfs. Le trafic, c'est tout ce qu'il vous faut. Le trafic, c'est votre carburant qui fera démarrer votre business. Et sur cette chaîne YouTube, Growth Business Croissant Rapide, nous partageons des méthodes, des stratégies pour acquérir du trafic en ligne pour développer votre business. Donc, si c'est la première fois que vous nous découvrez, nous vous recommandons de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Donc, compte tenu de cette vidéo, nous avons 9 stratégies que nous utilisons au quotidien sur YouTube pour générer du trafic de façon gratuite. Donc, vous devez comprendre que YouTube représente aujourd'hui un énorme potentiel d'acquisition de trafic vu que tout aujourd'hui se passe sur Internet en termes de vidéos visuelles. En fait, les gens ont de la paresse à lire, ce qui pousse les gens à pouvoir aimer des vidéos, à pouvoir apprendre par des vidéos. Et pour ce faire, nous allons utiliser cela, ce que les gens aiment, pour pouvoir acquérir notre trafic. C'est vrai que vous êtes sur YouTube tous les jours. Mais est-ce que vous connaissez ces 9 hacks? Nous vous recommandons restez jusqu'à la fin parce que vous n'en croirez pas vraiment à vos yeux. Et ceci étant dit, en première stratégie, vous devez comprendre premièrement sur YouTube que le contenu est roi. Donc, si vous voulez acquérir du trafic sur YouTube et à long terme, fournissez du contenu. Donc, créez-vous une chaîne YouTube sur laquelle vous allez publier des contenus régulièrement et des contenus de qualité. Donc, vous pouvez constater là sur notre chaîne Growth Business, Croissance Rapide, nous publions des vidéos comme cela constamment pour vous apprendre, pour vous montrer comment acquérir du trafic en ligne. Donc, rassurez-vous, la première stratégie, créez-vous une chaîne YouTube si vous voulez acquérir du trafic en ligne pour développer votre business. Ça peut être que vous avez une boutique où vous faites dans l'affiliation, vous êtes dans le blogging. Donc, rassurez-vous d'être présent sur YouTube en créant une chaîne YouTube et en publiant des vidéos. OK? Cela étant dit, la deuxième stratégie serait d'utiliser le contenu des autres en fait. Nombreux ignorent cela sur YouTube. Vous pouvez utiliser le contenu des autres pour vraiment acquérir du trafic, faire du buzz et vraiment cartonner. Donc, la preuve, un exemple par exemple ici. Nous avons juste tapé Compilation France. Bon, ça va dépendre de vous. Si vous voulez être référencé dans votre localité, vous pouvez taper le nom de votre pays ou Compilation. Peu importe, dans votre niche, vous allez retrouver comme cela sur YouTube des vidéos. Et vous devez, si vous remarquez là, en termes de visuel, vous allez vous en rendre compte que ce sont en fait des vidéos TikTok. Donc, vous pouvez utiliser cette même stratégie et l'implémenter dans votre business en quoi faisant en vous rendant sur TikTok, télécharger des vidéos. Bon, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez prendre un logiciel comme CapCut pour pouvoir faire des petits montages. C'est totalement gratuit et libre de droit. Et comme cela, vous venez sur YouTube, vous publiez cela. Croyez-moi, celui-ci a publié de cela 4 jours et il est déjà à 19 000 vues. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie et l'implémenter dans votre business et acquérir du trafic gratuit sur YouTube en illimité. Donc, c'était la deuxième stratégie. En troisième stratégie, ici, nous allons vous parler des commentaires. Nombreux ignorent la puissance des commentaires sur YouTube. Mais croyez-moi, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment acquérir du trafic sur YouTube, faudrait plus que vous l'ignorez en quoi faisant. Donc, voici par exemple une vidéo que nous avons pris au hasard pour vous faire cette démonstration. Vous pouvez vous en rendre compte que celui-ci a publié quelque chose. Bon, Pinterest en automatique trafic 100% gratuit. Et ici, il n'y avait pas de commentaire. Nous avons publié notre commentaire. Bon, comment utiliser dans les commentaires pour acquérir du trafic de façon gratuite sur YouTube? Vous devez noter que si vous publiez directement vos liens dans les commentaires, YouTube pourra détecter facilement votre commentaire comme du spam.
Donc rassurez-vous d'écrire quelque chose qui soit vraiment de constructif et prenez votre temps à écrire cela. Ne faites pas du copier-coller. Donc YouTube le constatera également et bloquera votre commentaire ou signalera à l'auteur de la vidéo qu'il a un commentaire en spam, donc ça sera à lui maintenant de vérifier et voir s'il peut approuver cela. Et notre stratégie ici, par exemple, vous pouvez lire la vidéo si vous avez du temps ou par contre, si vous maîtrisez déjà la thématique, donc il est question. Ce que vous auriez à faire serait d'écrire quelque chose de constructif. Et lorsque les gens liront, ça pourrait être une critique ou peu importe. Lorsque les gens liront, ils viendront ici et cliqueront soit sur votre image ou soit sur votre nom. Et la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là seront redirigés directement sur votre chaîne YouTube. Donc, d'où le fait, nous vous recommandons vivement d'avoir une chaîne YouTube en première avant d'implémenter cette troisième stratégie. Donc, rassurez-vous de créer une chaîne YouTube en première avant d'implémenter la stratégie des commentaires. Ça sera vraiment bénéfique pour vous puisque les gens cliqueront sur votre nom et visiteront votre chaîne YouTube. Bon, ils pourront s'abonner ou liker à vos vidéos, cliquer sur des liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo et bien plus. Donc, grâce à cela, vous allez acquérir du trafic gratuit en commentant uniquement les vidéos sur YouTube. Ok? La quatrième stratégie ici serait d'utiliser la puissance des hashtags. Donc, les hashtags, par exemple sur Facebook ou sur Instagram, vous connaissez tous que les hashtags, des hashtags vont vous permettre d'être mieux référencé ou d'être mieux listé selon certains mots-clés ou certaines recherches sur YouTube. Donc, utilisez les hashtags, ça peut être dans vos commentaires, ça peut être dans la description de vos vidéos et plein d'autres. Donc, utilisez les hashtags en rapport avec la thématique dans laquelle vous êtes. Et par exemple, ici chez Growth Business, nous avons directement tapé là hashtag Growth Business. Vous pouvez vous en rendre compte que, bon, pour l'instant, ce hashtag a moins de 100 vidéos sur YouTube. Et vous pouvez constater que ici, ce sont nos vidéos qui sont listées. Donc également notre chaîne sur YouTube pour acquérir du trafic, ok? En cinquième, nous allons parler des chaînes similaires. Donc les chaînes similaires servent à quoi? Elles vont vous permettre de vous faire découvrir facilement grâce à d'autres chaînes. Je prends un exemple pour ces chaînes YouTube, c'est Graphicat, c'est un développeur. Et pour vous pouvez vous en rendre compte ici qu'au niveau des chaînes similaires, il a, je pense, il a listé 5 chaînes similaires pour dire. Donc, en fait, les chaînes similaires, c'est un peu comme dans du blogging où on appelle du guest blogging. Donc, je partage votre article sur mon blog et vous faites pareil. Donc, ici, la communauté de Graphicat, lorsqu'ils vont cliquer sur chaîne similaire, sur chaîne, ils vont. Plus tard, les chaînes similaires seront listées ici et c'est Graphicat qui le fait. Donc, pour vous, vous pouvez par exemple contacter des influenceurs sur YouTube et faire ce partenariat avec eux. Donc, ils pourront mettre votre chaîne YouTube dans leur chaîne similaire et comme cela, tous ceux qui visiteront leur chaîne, bon, si vous avez un nom un peu ou une image ou quelque chose qui frappe un peu, ils pourront cliquer sur cela. Et si par exemple je clique ici, là directement ça m'amène sur cette chaîne YouTube. Et s'ils n'avaient pas fait cela, peut-être je n'aurais jamais pu visiter sa chaîne. Donc les chaînes similaires vont vous permettre d'acquérir du trafic de façon gratuite sur YouTube. Donc nous vous recommandons d'implémenter cela dans votre stratégie d'acquisition de trafic gratuit sur YouTube. En sixième, nous allons parler ici de les extensions de navigateur. En fait, si vous avez une chaîne YouTube, les extensions de navigateur, par exemple, nous utilisons chez Growth Business, TubeBuddy, à noter, il y a VitID, qui est également une autre extension vraiment populaire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur but seront de mieux référencer vos vidéos, en fait. Mieux référencer vos vidéos. Donc, à chaque fois que vous allez publier des vidéos, ils vont vous proposer des hashtags qui sont recommandés à votre vidéo, les bonnes pratiques et ainsi de suite. Donc, comme cela, vous allez vraiment publier des vidéos optimisées, des vidéos qui vont
être listé sur la première page de YouTube ou Google également. Donc, vu que Google également liste les vidéos YouTube sur sa page de recherche. Donc, TubeBuddy va vous aider vraiment à optimiser vos vidéos et à acquérir du trafic gratuit comme cela sur YouTube. Et en sixième, nous allons parler de YouTube Short. YouTube Short, en fait, c'est la nouvelle tendance à l'heure actuelle si vous voulez acquérir vraiment du trafic gratuit et de façon très rapide utiliser les vidéos Short. Donc, vous pouvez vous en rendre compte que les gens aujourd'hui sont très addictifs à tout ce qui est vidéo de moins de 3 minutes. D'où le fait, vous pouvez vous en rendre compte, l'essor que TikTok a eu à prendre sur le marché. Google a également implémenté cela et nombreuses autres plateformes sont en train de tester cela. Donc, utiliser les shorts pour acquérir du trafic de façon gratuite, vous pouvez voir là, si je scroll à chaque fois, les vidéos seront chargées. Et vous pouvez vous en rendre compte ici qu'il y a plus de 1200 commentaires, des likes et ainsi de suite. Donc, utiliser les shorts pour acquérir du trafic gratuit sur YouTube. Et en huitième position, nous avons parlé maintenant de YouTube Live Event, dont les gens vraiment ignorent, certains ne connaissent même pas de quoi il est question. Nous allons vous expliquer. Donc, le Live Event, en voici par exemple un Live Event que nous avons eu à lancer. La stratégie était tout simple de ne pas. Bon, nous n'avons pas eu à enregistrer des vidéos, rien, quoi que ce soit. Juste que dans la description de la vidéo, il était question pour nous ici de mieux nous référencer. En fait, ce live event, c'était juste un petit test comme cela. Nous n'avons pas eu de temps vraiment à optimiser cela pour être mieux référencé. Mais vous devez comprendre que YouTube et Google également listent des live events sur sa page de recherche. Lorsque les gens tapent des thèmes, lorsque les gens recherchent des mots-clés, donc les live events, c'est un nouveau système qui va vous permettre d'être listé très facilement sur YouTube et à moins de records. Et pour faire cela, vous allez juste venir ici au niveau de mettre une vidéo en ligne. Vous allez juste cliquer sur passer en direct. Mais vous n'allez pas passer en direct, croyez-moi. Juste que vous allez faire une miniature, une bonne miniature. Vous allez vous rassurer que vous avez un bon titre ici avec un bon titre, donc vous avez eu à faire des recherches sur le SEO de ce titre. Donc, c'est un sujet que les gens recherchent. Ça peut être des tendances et ainsi de suite. Vous allez juste venir ici, cliquer sur passer en direct. Donc, vous n'allez pas passer en direct, mais vous allez programmer le direct. Ça peut être même sur 3 mois. Et lorsque les gens rechercheront ce mot-clé ou cette thématique, ce sujet sur YouTube, donc YouTube, l'algorithme présentement liste en premier les live events, donc les lives qui sont programmés. Vu que en termes de programmation, YouTube aimerait que, bon, Google ou YouTube, ils aimeraient que les gens passent plus de temps à utiliser leurs produits. Donc, le live event va faire à ce que les gens puissent, par exemple, programmer leur live et chaque temps retourner sur YouTube. Donc, comme cela, YouTube aujourd'hui liste des vidéos live event dans les premières pages des résultats. Ok, donc vous passez en direct, vous cliquez sur passer en direct, vous programmez votre live, mais vous rassurez que dans la description ici, vous avez listé tout ce qu'il vous faut pour acquérir du trafic. Ok, donc c'était la huitième stratégie que nous utilisons chez Growth Business pour acquérir du trafic gratuit avec YouTube. Et ici maintenant, en neuvième, nous allons parler de les sites d'échange social. Les sites où vous pouvez soumettre, ça peut être l'URL de votre chaîne YouTube et avoir des. En fait, le principe est simple. Vous vous inscrivez, vous likez les pages ou vous likez les posts des autres, vous acquérez des points et en retour, eux également, ils likent vos posts. Donc, sur le marché, il y en a plusieurs, mais celui qui a attiré notre attention, c'est AdmitFast. Donc, si on se connecte par exemple là, vous vous en rendez compte que présentement, nous avons seulement 40 points ici. Donc, vous venez ici, vous soumettez votre site et il y a plein d'options pour acquérir du trafic. Et comme il est question pour nous de parler de YouTube aujourd'hui, donc vous pouvez utiliser ceci pour avoir des abonnés gratuits à votre chaîne YouTube. Vous pouvez utiliser ce service
pour avoir des likes des vidéos et des vues des vidéos et ainsi de suite. Donc, en résumé, en première position, le contenu est roi. En première position, le contenu est roi. En deuxième position, utiliser le contenu des autres. En troisième, utiliser les commentaires. En quatrième, utiliser les hashtags. En cinquième, utiliser les chaînes similaires. En sixième, utiliser les extensions de navigateur. En septième, utiliser YouTube Short. Huitième, utiliser le YouTube Live Event. Et en neuf, les sites d'échange social. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, de liker la vidéo si vous avez aimé, de laisser un commentaire si bon, vous n'avez pas compris quelque chose pour toute autre suggestion.